Salut tout le monde! Cette vidéo m'a été inspirée par l'un d'entre vous qui m'avait posé la question suivante: est-ce que je suis plutôt cuissard avec ou sans sous-vêtements? Alors la question peut paraître un petit peu bizarre pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est vrai que c'est une question personnellement que je ne me pose plus depuis longtemps, mais évidemment il s'agit d'une question que les débutants sont tout à fait en droit de se poser. Du coup, on va parler de ça. Alors, sous-vêtements ou pas sous le cuissard? La question est légitime, mais la réponse est un petit peu unanime dans le monde cycliste. Avec les cuissards, on ne porte pas de sous-vêtements. Vraiment, c'est pas une blague. Moi, je pensais qu'on me faisait une blague la première fois qu'on m'a dit ça, mais non. En effet, les cuissards sont faits pour se porter à même la peau. Donc non, slip, culotte, vous oubliez. Pas de caleçon sous votre cuissard. En effet, les cuissards sont étudiés pour être à même la peau. Donc la structure du cuissard est prévue pour qu'il n'y ait aucun frottement, aucune douleur, aucune gêne lorsque vous le portez, si vous le portez sans sous-vêtements. Le problème si vous portez des sous-vêtements, c'est que les coutures de votre sous-vêtement peuvent vraiment vous gêner. Ça peut même parfois blesser avec les mouvements de pédalage. Les coutures peuvent vraiment entraîner un sentiment de gêne sur le vélo. Cette vidéo résout peut-être un mystère que certains d'entre vous se posent. Donc non, les cyclistes ne portent rien sous leur cuissard. Le cuissard est étudié donc comme un sous-vêtement. Voilà. Donc au niveau du cuissard, c'est pas là où est-ce qu'on transpire le plus à vélo. Mais évidemment, si vous l'utilisez sans rien, il est impératif de le laver après chaque sortie, puisqu'il s'agit d'un sous-vêtement. Donc je peux comprendre les personnes peut-être qui mettent des sous-vêtements pour pas avoir à le laver à chaque fois, si vous faites des petites sorties, mais vraiment ça vaut pas le coup. C'est vraiment très désagréable de rouler avec des sous-vêtements. Personnellement, une fois que j'ai compris qu'on ne se payait pas ma tête quand on disait qu'on ne mettait rien sous le cuissard et que j'ai donc pu tester, eh ben ça fait vraiment une grosse différence, on est vachement mieux sur la selle. C'est pas un sujet dont on parle énormément entre cyclistes, souvent c'est pris comme un acquis. Le cuissard, rien en dessous. Donc du coup, on n'en parle pas trop, mais je suis à peu près certaine que tous les gens avec qui je roule ne portent rien en dessous de leur cuissard. Si vous, c'est différent, dites-le moi. Si grâce à cette vidéo, vous allez maintenant pouvoir découvrir les joies de rouler sans rien en dessous du cuissard, je vous laisse mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ocean.